quand même, parce que c'est dimanche. Donc voilà, bah écoutez, ça fait déjà réagir dans les... En cette période où un plan de lutte contre les rats de grande envergure est émis par le secrétariat général, des annonces sont faites dans la presse, des sommes sont évoquées, des développements, des moyens sont mis en place. Et là, ce qui cristallise vraiment la colère des agents, c'est que pour la réalité des services publics, c'est en fait dans la mise en place de leur organisation, des suppressions de postes, des pertes de missions et donc des pertes d'argent et de salaire. Les techniciens, les services opérationnels, un sujet qui jusque-là c'était un... Vu le nombre d'agents qui restent dans le service, 1,8 agents par arrondissement pour traiter le problème de l'augmentation des rats à Paris. Maintenant, pour revenir à hier, ce qui est peut-être là, en nombre et en plein milieu.